fête. Est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Est-ce que ça va être une grande fête? Quand est-ce que ça sera? Et ce soir, ça sera la grande fête. Et il y avait des quant aux fêtes, je sais pas pour mes camarades, mais moi, je frère de problème. Il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés. Enfin, moi, j'en avais fait quelques-unes de ces fêtes de victoire présidentielle, comme journaliste, naturellement, qui n'a pas bloqué la fête. Pour le moment, c'est une fête qu'on est jeune enfant de la fête. Et c'était bon enfant, absolument. Les supporters viennent avec nous. Des déconneurs en ce jour de fête. Voilà, il paraît qu'ils vont fêter leur anniversaire ensemble. Vous avez peut-être fait un peu trop de l'humanité, Nicolas. Dans la salle des fêtes. Est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Est-ce que vous êtes une grande fête? Quand est-ce que ça sera décidé? Et quant aux fêtes, je sais pas pour mes camarades, mais moi, il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés. Ah oui, enfin, moi j'en avais fait quelques-unes de ces fêtes de victoire présidentielle, comme journaliste, naturellement, qui n'a pas bloqué la fête. C'est une belle fête. C'est ça, bon enfant. Et c'était bon enfant, absolument. Les déconneuses et déconneurs en ce jour de fête. Voilà, il paraît qu'ils vont fêter leur anniversaire ensemble. Vous avez peut-être fait un peu trop de fête de l'humanité, Nicolas. Et ce soir, ça sera la grande fête. Quant aux fêtes, je sais pas pour mes camarades, mais moi, il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés. Vous avez peut-être fait un peu trop de fêtes de l'humanité, Nicolas. Dans la salle des fêtes. Est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Ça va être une grande fête. Quand est-ce que ça sera décidé? On est jeunes, on peut faire des fêtes. Les supporters viennent avec des cotillons, des confettis pour un petit peu de vacances, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Pour le moment, c'est une belle fête. Quand on est jeune, on fait un peu la fête là-bas. Les supporters viennent avec des cotillons, des confettis pour fêter la descente. Dans la salle des fêtes, dès qu'on a une chance de l'avoir, ça va être une grande fête. Quand est-ce que ça sera décidé? Et ce soir, ça sera la grande. Et il y avait des fêtes. Quant aux fêtes, je sais pas pour mes camarades, frère de problème, il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés. Enfin, moi, j'en avais fait quelques-unes de ces fêtes de victoire présidentielle, comme journaliste, naturellement, qui n'a pas bloqué la fête. Pour le moment, c'est une belle fête. Bon enfant. Et c'était bon enfant, absolument. La descente des déconneurs en ce jour de fête. Voilà, il paraît qu'ils vont fêter leur anniversaire ensemble. Vous avez peut-être fait un peu trop de l'humanité, Nicolas. Dans la salle des fêtes, est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Ça va être une grande fête. Et ce soir, ça sera la grande fête. Quant aux fêtes, je ne sais pas pour mes camarades, mais moi, il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés. Ah oui? Enfin, moi, j'en avais fait quelques-unes de ces fêtes de victoire présidentielle, comme journaliste, naturellement, qui n'a pas bloqué la fête. C'est ça, bon enfant. Et c'était bon enfant, absolument. Les déconneuses et déconneurs en ce jour de fête. Voilà, il paraît qu'ils vont fêter leur anniversaire ensemble. Vous avez peut-être fait un peu trop de l'humanité, Nicolas. Et ce soir, ça sera la grande fête. En ce jour de fête. Quant aux fêtes, je sais pas pour mes camarades, mais moi, il s'agit d'une grande fête qui permet notamment le pardon des péchés.